maintenant c'est un peu sec, on est dans une saison qui est vraiment sec, donc du coup ça ne sera pas comme avant. Cette fois-ci, ça sera un peu facile par rapport à l'année dernière. On voit déjà la production d'oxygène qui commence déjà à apparaître. Donc ces microbules qui sont le résultat de l'activité de la photosynthèse des cyanobactéries. Là, tu vois ça? Voilà, donc j'ai le sédiment superficiel, la couche supérieure de la vase. Et puis, moi, le côté biologie, ce qui nous intéresse, c'est plutôt c'est les micro-organismes qui vivent dans cette vase et qui en fait dégrade la matière organique qui est produite en surface. Hein, parce que bon, on voit bien que le lac est vert, mais voilà, c'est l'eau qui est très chargée. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une chambre flottante. En fait, c'est une espèce d'enceinte qui va flotter sur l'eau, qui va emprisonner un volume d'air au-dessus de la surface de l'eau dans lequel va s'accumuler le gaz, enfin les gaz, le méthane, le CO2. Des couches révèlent des fonctionnalités de micro-organismes différentes. Donc on peut s'attendre à avoir des bactéries différentes à ce niveau-là, et par exemple sur les couches noires où là il n'y a pas du tout d'air. Il y a surtout du CO2, et tout ça c'est des gaz d'origine magmatique, hein, c'est des gaz profonds, donc qui sont liés à l'ancienne activité volcanique.